à tous ses amis, j'espère que ça va bien pour vous, la team MCL. Hein. Donc là, ce qui va se passer, les amis, c'est que là, on va faire un petit récap, enfin, un petit récap, une réparation en même temps de la session, ce qui s'est passé avec le frangin, parce qu'en plus, on avait roulé super fort. Franchement, et cet engin, le Kraton 4S V2, donc sur lequel j'ai une case de triangle, hein, comme je vous le montre là. Regardez le jeu que j'ai alors. Je suis sûr qu'il est cassé. Alors attendez. J'ai un énorme jeu. Mais ouais voilà, on va effectuer donc franchement déjà en premier temps donc la session qu'on a faite avec le frangin, franchement c'était nickel. Rien à dire. Alors sauf faut que je vois au niveau de mon rapport de transmission, j'avais fait c'était 57-16, voilà, et je me demande que comme par hasard quand j'ai fini mon run, j'avais ma batterie de 5000 qui était légèrement gonflée, donc déjà faut que je revoie ça entre les deux, faut que je pense peut-être à mettre un pignon peut-être de dedans en plus, déjà ça. Et puis bah là on va là j'ai les pièces juste ici. Donc triangle avant, triangle arrière, donc bien sûr ce n'est pas la même référence. Première casse, alors enfin première casse, on va dire deuxième casse entre guillemets, parce que j'avais déjà cassé le support aileron, mais bon le support aileron c'est pas ce qui empêche de rouler, hein, clairement. Et puis là bah, le triangle avant droite, donc que j'ai cassé, alors on va dire vers l'intérieur. Vers l'intérieur du triangle, donc plutôt de ce côté-ci, là où il y a plus de matière. Enfin bon, là les amis, on va passer sur la réparation du Kraton. Donc, première réparation depuis qu'on a le Kraton, donc c'est pour vous dire que c'est un engin très solide. Donc, sur ce, les amis, à tout de suite pour la répa. Big up! Donc voilà, c'est parti pour le remontage. Alors, je vous avais montré le côté droit, bon, en fait, c'est plutôt le côté gauche. Regardez comment ça danse. Donc voilà, donc, on va. Procéder au changement du triangle gauche avant inférieur parce qu'au dessus c'est un tyran, et donc ça va. Après je m'aperçois que là j'ai le tyran qui, alors le tyran qui sert plutôt de direction, voilà le tyran de direction qui a subi un peu. Va falloir que je fasse le stock là dessus au cas où si ça casse. Je sais que j'ai des chapes mais j'ai pas de tyran. Bon, c'est parti les amis pour le changement du triangle. Donc voilà les amis, hein, casse du triangle que je vous montre juste là. Oui, il manque un morceau, le morceau il est juste dans mes mains, juste ici. C'est pour ça qu'en fait il y avait un énorme jeu. En plus c'est le triangle inférieur gauche. Donc il va falloir le remplacer, donc heureusement que j'en ai de stock. Heureusement que j'en avais fait venir depuis l'unboxing, donc ça c'est cool. Donc voilà, un triangle tout neuf. Impeccable. Donc ouais, c'est parti, on va remplacer.
Voilà, ça y est les gars. Donc on a fini la réparation du Kraton 4S V2. Donc franchement, c'était pas compliqué. Et je dirais aussi par la suite que c'est la première casse du Kraton 4S V2. Tout simplement. Donc c'était pas vraiment compliqué. Hein, genre un triangle, ça tout le monde sait faire. Ensuite, deux petites choses. Je pense que déjà sur mon Kraton, je passerai en pignon 18. Tout simplement. Là, je ne l'ai pas fait en vidéo parce que voilà, nous avons déjà montré plusieurs fois, de nombreuses reprises, comment sortir le bloc moteur, changer les pignons, etc. Ça, on l'a déjà vu sur la chaîne. Et non seulement, alors, j'ai un autre conseil à vous apporter que je vais faire devant vous. Souvenez-vous, sur la vidéo du Kraton 4S et 6S USB du frangin, en plus, on avait enroulé comme des porcs en plus, c'est ça qui est cool. J'avais perdu l'axe de mon hexagone, tout simplement, ce qui fait qu'en fait je n'avais pas pu tourner. Alors là, je remets la roue exprès hein, pour pouvoir dévisser, sinon je ne peux pas. Alors, j'avais perdu l'axe de ma roue. Je vais vous montrer. Alors, une petite solution, un peu comme sur les 1/5, ils ont fait la même erreur. Allez, encore un peu. Ils ont fait la même erreur, c'est-à-dire que au lieu de faire un plat en fait sur la barre, ce qui fait que ça empêchera la barre de tout simplement de sortir de son emplacement, et ben en fait ils ont fait une barre toute cylindrique au lieu de faire un petit plat dessus. Donc je vous conseillerais par contre de faire un plat au niveau. Alors si vous voulez cette barre, hein, elle maintient le cardan télescopique verrouillé avec l'hexagone. Simplement, c'est pour ça qu'en fait sur la vidéo j'ai pas compris, j'ai ma roue arrière, je sais plus si c'est droite ou gauche qui s'est fait la malle. Donc en plus sur le terrain vous avez vu c'est de l'herbe, donc j'ai pas pu trouver, de toute façon ça sert à rien, j'en avais deux côtés, donc c'est pour ça que je vous avertis. Donc faites attention à ça, tous ceux qui ont des Outcasts ou des 4 oulala, à tous ceux qui ont des Outcasts ou des Kraton 4S V2, Faites attention à ça, surtout checkez vos roues, checkez vos vis, alors les vis à tête Freddy qui compressent là-bas, que ça soit bien vissé, et vos écrous de roues. Donc voilà le petit conseil que je voulais vous apporter. Donc par la suite, je vais remonter ça. Donc voilà les amis, hein, c'est terminé, le Kraton va reprendre du service, de toute façon ça va pas durer longtemps, hein, l'arrêt. Mais franchement, machine extraordinaire, faudrait que je roule 2-3 fois encore cet engin, parce que franchement, c'est que du positif que je vous fasse un gros débriefing de ce que j'en pense de ce modèle-ci, parce que c'est exceptionnel. Donc franchement les amis, fin de vidéo, donc on vous dit à la prochaine, et puis prenez soin de vous les gars, big up.